Véritable espoir pour l'Académie nationale de football qui, après 4 ans d'existence, a réussi à mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football des talents à la hauteur du mérite, comme Suzy Mbiandji chez les filles, Ivan Nonafen chez les garçons, est le premier produit de l'ANAFOOT ayant pris part au City Football Language School en Angleterre. Une fierté pour lui de retrouver ses coéquipiers. Vraiment, je suis beaucoup ému et très heureux parce que ce n'est pas facile non seulement d'intégrer l'Académie nationale de football ou bien d'être sélectionné parmi les U17 au Cameroun. Vous savez, c'est beaucoup de travail. Pendant 2 semaines, le jeune joueur talentueux de 15 ans a été l'ambassadeur du Cameroun en 2019 au camp de Manchester City avec d'autres jeunes venus de tous les coins du monde. Aujourd'hui, il a été présélectionné par le coach de l'équipe cadette du Cameroun pour préparer le tournoi de l'UNIFAC. Moi, ça ne m'étonne pas vu le travail que j'effectue. Bon, je mérite vraiment cette convocation. Beaucoup de jeunes pensent que le travail à l'académie est suffisant, alors que ce n'est pas suffisant. C'est le travail individuel qui me permet d'être ce que je suis pour l'instant là maintenant. Prolongement de l'offre sport-études de l'ANAFOOT, Ivan Nonafen, jeune milieu de terrain, continue de parachever sa formation aux côtés de Karl Enongachu, dont le charisme, la bravoure et la détermination continue de servir le football camerounais.